I propose to do is create a follow-up to the Knit Club project, which I published last year in 2020. That project was an exploration of my relationship to a group of women I got to know while I was living here in around 2013 for a couple of years. So I left, but I came back several years later to work with these women on this project, in which we use materials and visuals that are from this environment and that are stereotypically associated with womanhood. But we use those materials to try to subvert the expectations of what that actually is, womanhood and femininity, what they actually are and what they're made of. With that project published, I still didn't feel that my questions about this place and my relationship to it have been fully answered. So what I propose to do is to return to Outer Valley and try viewing things here from through another prism or like from another angle. To begin with two of the men who actually played a role in producing the work in Knit Club, but are barely seen in the images. So I wanted to start thinking about how I could render these men. Le prix Cartier-Bresson qui vient d'être décerné à Caroline Drake est un prix assez global puisque c'est un prix d'abord d'aide à la production, ce qui est assez rare dans les institutions. Il était l'objet d'un jury très prestigieux représentant toutes les institutions françaises au plus haut niveau de la photographie. Et ça permet à Caroline Drake de développer un projet avec une bourse de 35 000 euros que nous remettons avec l'aide de la Fondation d'entreprise Hermès, puis de produire une exposition et un catalogue dans 2 ans. Cette année, on a une densité dans les dossiers qui est assez inédite. Donc finalement, dans la sélection qui a été faite, on avait des gens de qualité très 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 élevée, mais finalement quand même le choix du jury s'est porté très vite à l'unanimité sur ce dossier de Caroline Drake qui nous a semblé réunir ces critères à la fois de créativité, d'univers de fiction dans le documentaire, de soins apportés à la littérature. C'est quelque chose qui nous a vraiment frappé. J'ai pas eu trop d'hésitation en fait en choisissant le dossier de Caroline Drake parce que ce qui m'a frappé principalement quand j'ai vu ces images, c'est qu'elles relevaient à la fois d'une forme d'expérimentation de la photographie et d'une forme très classique documentaire et qu'elle arrive à mêler ces deux choses, même plus d'autres choses puisqu'elle va dans d'autres champs de l'art, le surréalisme par exemple, pour aboutir à une forme totalement originale et singulière. Le dossier était bien construit, le sujet était clair et vraiment bien annoncé, donc on se disait tiens, ça c'est intéressant. Mais surtout, on voyait par rapport à ce qu'elle avait fait jusque-là, on voyait qu'il y avait une promesse et une surprise à venir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on se dit ça va être vraiment sur la question du photographique qu'on va tout d'un coup voir apparaître quelque chose. Parce qu'elle elle a un regard vraiment très particulier, très fin, très sensible sur le réel. Et c'est une œuvre qui n'est ni documentaire, ni mise en scène, mais qui a une nature très, très authentique et très simple. Et c'est une œuvre vraiment ouverte à plein d'interprétations, qui fait vraiment voyager le regard et l'imagination. Et sa force aussi tient en son dialogue avec d'autres champs artistiques et culturels. On voit qu'elle elle dialogue avec l'histoire de l'art, l'histoire de la photographie et aussi la littérature. Moi, j'ai été surprise par, et conquise aussi par ces photographies très singulières.
joyeuse en même temps. J'ai été aussi touchée par son imaginaire artistique, littéraire, surréaliste, et par le fait qu'elle envisage un petit peu la photographie dans toute sa matérialité. Elle travaille avec des images déjà là, qu'elle coupe, qu'elle colle, elle utilise aussi la peinture, elle mixe les matériaux, donc une approche très créative, en même temps documentaire et ancrée dans des questionnements aussi douloureux et très contemporains. Pour ma part, moi, ce qui m'a saisi dans son travail, c'est vraiment le sentiment qu'elle pousse les confins, ou disons qu'elle pousse l'exploration de la photo documentaire loin, comme une sorte de système d'investigation qui restitue un travail à la fois poétique, réfléchi, mystérieux, qui ouvre vraiment l'esprit. Thank you.